Voici l'humeur de Daniel Morin. Oui. Bon ben voilà, merde. Eh ben oui. Ah, gros moment de solitude. Voilà, merde, je le dis. En ce moment, rien ne va et ça m'agace. J'en parlais ce matin à mon ami de toujours, le pianiste aux doigts de fée et à la croupe de feu, le génial Richard Lornac. Je voyais pas de qui tu parlais au début. Mon ami de toujours. Si, c'est lui. Richard me disait, bon, qu'est-ce qu'il va pas ? Ou une certaine lassitude. Et le temps n'arrange rien à l'affaire. Voilà, ça fait maintenant 12 semaines qu'il pleut sur Paris. Ce matin, c'était le déluge. J'ai encore dû enjamber deux vieux qui se noyaient, aspirés qu'ils étaient par le tourbillon qui les plaquait une bouche d'égout devant France Inter. Dans un premier temps, je les aurais bien aidés. Mais il était 6h55. J'avais ma chronique deux minutes plus tard. J'étais juste avant d'entrer en scène, juste avant le dieu des ondes, seigneur du matin, pape de l'info, roi du zouk, Patrick Cohen. Ça s'appelle plus une vanne, ça s'appelle de l'autopromo, là, ce que tu es en train de faire. Ouais, bah, écoutez, je prends exemple sur vous, mon petit Nagui chéri. J'ai rien fait. Pas encore. Et je n'avais pas le temps matériel de leur venir en aide. Quand je suis redescendu à 7h03, c'était trop tard. Les corps inertes des deux seniors étaient emportés par une meute de chiens errants pour être sûrement dévorés à l'abri sous le pont Mirabeau. Pour me monter le moral, Richard, non seulement le meilleur pianiste du monde, mais aussi le king du barbecue, m'a dit « Toi, je sais ce qu'il te faut pour te monter le moral, une bonne grillade. » Bon, Richard, il a à peine 10h, j'ai pas envie de grillade. Une bonne épaule d'agneau, ça se mange chauffard, même le matin. J'ai bouffé mon épaule grillée, ça n'allait pas mieux pour autant. Non, et puis je me suis dit, il n'y a pas que le temps qui me mine, j'ai appris hier que ça n'allait pas si bien que ça pour Emmanuel Macron. Lui qui envoie ses militants faire du porte-à-porte pour expliquer ses idées et aussi, et surtout peut-être pour récolter des fonds, ça marche pas comme il veut. En même temps, qu'est-ce qu'il croyait, le Manu ? Bonjour monsieur, vous connaissez Emmanuel Macron, le ministre socialiste de droite ? Le gars qui insulte les syndicalistes ? Non, ça c'est Pierre Gattaz, le patron des patrons. Emmanuel, il aime pas les t-shirts de prolo, c'est différent. Oui bon, vous voulez quoi ? Vous expliquez ses idées pour sauver la France, je m'en fous. Ah, est-ce que néanmoins vous seriez disposé à faire un don pour que son parti... Eh ben non, ça ne marche pas, on donne pas de pognon. Ouais. Pour qu'on donne du blé, faut arrêter de se balader en costard à 1 200 €. Du coup, je vais demander à Nora Mzaoui de prêter ses fringues à Macron. Là, oui, les gens seront touchés par le malheur et fileront quelque chose pour que le ministre puisse s'habiller dignement. Pardon, Léla, quand tu dis c'est moche, tu parles de quoi ? De la vanne ou de la fringues vanne. D'accord, ok. Ah, parce qu'elle m'a dit hors antenne, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ah, non, toute cette bêtise m'attriste, vous n'avez pas idée, c'est pour ça que je tire la gueule. Bon, Léla a bien essayé de me remonter le moral. Hein. Ouh. Tu vois, ça va pas en ce moment. Non, ça va pas fort. Je sais ce qu'il te faut. Tiens, prends, ça va te faire du bien. C'est quoi ? Une côtelette d'agneau. J'en ai toujours une ou deux dans mon sac. J'ai mangé ma côtelette, mais ça n'allait pas mieux. Et je repensais avec chagrin à Robert Ménard. Robert Ménard qui veut lancer un mouvement plus à droite que l'extrême droite. Oh non, au secours. Il se serait même tiré la bourre avec Philippot hier soir sur Twitter. Tu imagines le niveau. Toi, plus à droite que nous, MDR, hashtag LOL, hashtag Gronaz, hashtag Marie Forever. Ouais, mec, à Béziers, dans le sud, on a la win fasciste, hashtag racisme, hashtag vigile, hashtag white power. Ouais, va plutôt cueillir de la lavande, Hugolin, hashtag Jeanne d'Arc, hashtag prévoyance nationale, hashtag immigration zéro. Et puis, sans qu'ils s'y attendent, ils ont reçu tous les deux un tweet venu de loin. Hé, les mecs, je vous kiffe, hashtag USA, hashtag républicain, hashtag cheveux orange, hashtag Donald. Autant vous dire que tout cela m'a enfoncé un peu plus dans la mélancolie, ce qui n'a pas échappé à Christophe Bourseillet qui m'a dit « Oh, toi, ça va pas ». Non, pas fort, en tout cas. Je sais ce qu'il te faut. Je tiens, prends, c'est un sorbet. Un sorbet ? Un sorbet à quoi ? À l'agneau ! Ouais. J'ai mangé mon sorbet, ça allait mieux. Du coup, j'étais sur le site SNCF pour prendre un billet, pour partir prendre l'air ce week-end. Sur le site, on m'a indiqué que le serveur ne pouvait me garantir de réservation en raison d'un mouvement de grève. Ça m'a plombé illico et pour me remonter le moral, j'ai été manger un kebab. À demain.